le micro et qu'on partage la scène le temps d'un texte. Et nous allons donc accueillir pour cela, sur scène, sous un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, Marf. Rien ne sert de mourir, il faut vivre à point. Toujours avoir envie d'aller plus loin, de se dépasser, de se surpasser. Éviter de se lasser, de s'ennuyer, de s'écorcher. Pour qu'une fois le jour de ta fin arrivé, tu n'aies aucun regret. Car les regrets ne servent à rien. Il ne faut pas se retourner, mais s'élancer vers demain. La vie au ralenti sera là bien assez tôt. Quant à moi, lui, j'aurais envie que tout soit fini, de sombrer dans l'oubli, dans un amour infini, un repos bien mérité après une course éreintée. Vers des chimères que je laisse aux commères, qui le jour de ta fin ne se souviendront de rien. Mais pour ne pas l'avouer, des souvenirs te concernant sauront élaborer pour faire de toi un être qui ne te ressemble pas. Alors, ne pense pas au qu'en dira-t-on. Vis ta vie à fond, use et abuse des plaisirs et rougis-en à loisir, car tes souvenirs seront toujours au fond de toi, ton trésor caché, ta vie non révélée, qui au jour dernier, paraît-il, vont défiler. Donc, comme je le disais, rien ne sert de mourir, il faut vivre à point. Merci beaucoup. Je vous propose de vous applaudir parce que vous avez fait le déplacement et d'applaudir tous les slameurs et slameuses que vous allez voir sur cette scène parce que ça fait bien plaisir. Donc je vous propose spontanément de vous applaudir. Merci. En effet, au slam, on aime beaucoup les applaudissements, c'est pour ça qu'on en fait la plupart du temps. Et je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements Révilo, s'il vous plaît. Si je fais la grimace, c'est qu'il y a comme une masse qui m'empêche de faire surface. Non, je ne suis pas un as, mais que je me décarcasse. Je sais que ma carcasse n'est pas molle, mais coriace. Toum 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 toum. Je sais que ça vous agace, et même que ça vous lasse. Bon, c'est moi qui jacasse, ça va haut, ça va basse. Je sais que voulez-vous que j'y fasse, j'ai pas brûlé la face. Même si je les joue grasse. Toum 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 toum. Qu'il arrive quoi que tu fasses, ne perds pas dans la masse, et force de garder ta trace. Et bon sens que je me ramasse, qu'on soit ou non face à face, jamais en moi ne s'efface, les souvenirs qui font masse. Et bon sens que je me ramasse, toum, 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 toum. De tous ces mots, y'a des liasses qui s'enfilent, qui s'entassent, à vous en faire voir la tasse. Que vous soyez ou non de ma race, que ça passe ou que ça casse, je laisse une trace, maintenant je me casse. Toum 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 toum, je sais que ça vous tracasse. Quand je sens la binasse, quand j'ai des crevasses au fond de mes godasses. Et quand j'ai de la crasse dans ma tignasse. Kiss, kiss my ass. Vous l'aurez compris, au slam, le principe, c'est qu'il n'y a pas de sélection. C'est tous les genres, tous les styles et tous les âges. C'est pourquoi je vous propose d'accueillir maintenant sur scène T-E-E-F-A-N-Y, Tiffany. Matière, matière, matière. Oui, matière. Ah, c'est... Était-ce les matières que l'on étudie étant petit garçon? Oh, je ne pense pas. Non. C'est peut-être la pierre, le bois, etc. Ah non, je sais. C'est les matières comme le français, les mathématiques, la musique. Et oui, la musique aussi est une matière. D'ailleurs, c'est la meilleure. Sur ce, je vous laisse, car on m'a appris les bonnes manières dans mes livres qui, selon les profs, sont des bonnes matières. Alors, nous allons continuer avec cette sélection de slameurs et de slameuses chaumontais, avec, sous vos applaudissements aussi enthousiastes que énergiques, voici venir Caméléon, s'il vous plaît. Bonsoir. Beaucoup trop d'amalgames, où sont les âmes haut de gamme?
Je suis pas trop ni pro-fan, accusé d'être trop fan. Mais moi je préfère quand on respecte le concept, quand on l'inspecte puis qu'on l'accepte sans mélanger à des préceptes pour lesquels il y a prescription. Problème de communication, choc des générations. On parle d'intégration, on assimile la tradition à un acte de soumission. Non, c'est pas ça la mission. Caméléon, parce qu'à chaque environnement il s'adapte, mais le lion jamais ne se dompte. Sens de l'initiative, je veux que tu m'épates. Sens de l'initiative, je veux que tu me flattes. Pareil que parfois je suis perché, je persiste et je reste là juste pour faire chier. Pas juste là pour la démo, juste souviens-toi de mes mots. Envie de cracher mon flot, de crier tous mes défauts. Et non, je suis pas anorexique et j'ai pas d'implant plastique. Typé, m'a dit Méditerranée, loin d'être stéréotypé. Profil pas vraiment adapté à certains canons de beauté. Mais de bras, de jambes, un cerveau sachant bien fonctionner. L'essentiel, ben, c'est que le charme est opéré. Moi ainsi, Dieu m'a fait que chaque jour, je lui dis Yalhamdoulilah. Et qui te parle de glace mannequin, moi je me sens plus proche des sept nains. Et mon teint, un ton plus foncé que du beige. Et oui, je sais, je ne suis pas blanche comme neige. Épargne-moi donc tes sacrilèges. Pas besoin du dimanche pour allumer un cierge. Moi je crois en mon sacre et j'attends qu'il m'allège. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Garde la tête haute qui la siège, me protège. Et l'écriture, ce refuge où je purge mes peines. L'écriture, où aucun juge ne m'inflige de peine. L'incision est profonde mais jamais le saigne. L'inspiration de ce monde aux multiples insignes. Où les rejetons se mutilent et veulent s'ouvrir les veines. Est-ce un signe? Et c'est ainsi que les gens en manque de veines se lâchent. Et la populace se lasse et sous cache-t-on. Rêve de rêve parti. Beaucoup dans ce monde se voient déjà partis. L'idéal d'un extrême qui rêve de patrie. Pendant que l'autre nous assomme des patriarchies. Et nous, jeunes zombies, en somme, rêvons d'anarchie. Alors que plus rien ne révolutionne, simple outil de la machine qui consomme. Mais je veux pas de ta cam, tu me mets en rogne. Je suis pas camé et crève charogne. On a voulu calmer la lionne, est arrivé caméléon. Pas juste là pour la démo, juste souviens-toi de mes mots, caméléon. Merci. Merci pour elle, c'était donc Caméléon, et voici que s'avance sur scène sans transition l'ordre authentique que je vous propose néanmoins d'applaudir. Bonsoir, bonsoir public, merci. Vous allez bien public? La santé va bien? Et voilà mon histoire. Après des années à galérer, me faisant passer pour un mec qui n'a qu'à envie de glander, j'ai enfin trouvé le boulot qui me plaît. C'est à l'hôpital, je suis une sorte de médecin qui ne soigne pas le genre humain, vous l'aurez compris, je suis informaticien. À l'administration, 9h30, c'est Beauce Café. On s'y rassemble histoire de boire un petit café et d'échanger quelques idées afin d'attaquer pleinement cette journée. À la maternité, quand j'entends les bébés pleurer, ça me fait craquer. On peut les voir derrière une baie vitrée en train de se faire changer sur leur table allongée. Chacun aux petits soins par leur courageuse maman adorée. Il faut du cran pour devenir mère car 9 mois de grossesse n'est pas forcément évident, surtout lorsqu'on attend son premier enfant. Ni même d'ailleurs pour le père. Le devenir est mon souhait le plus cher. L'autre jour, en croisant l'infirmière hygiéniste, elle me parle d'un mec atteint de gastro qui a refait la déco des chiottes. Bienvenue, ça se passe comme ça à l'hôpital. Tiens, à ce propos, j'ai passé des mois à refaire ma déco perso et je peux vous dire que j'en ai chié. À la pharmacie, j'y mets rarement les pieds. Pour moi, prendre des médicaments, c'est comme sous-shooter. C'est pas mon lieu préféré, sauf si c'est pour dépanner un PC. Début de matinée, le téléphone sonne comme de nombreux soirs. Une carte de santé m'appelle sur un ton énervé. Voulant le problème immédiatement clôturé, elle me raccroche au nez. C'est quoi ce travail? Dès que certains acquis un poste à responsabilité, naquit le sentiment d'égocentricité. Aurait-il oublié les règles de base de notre société sur le respect? Car ce n'est pas unilatéral, ça marche dans les deux sens. Ah oui, petit détour par la cardiologie. J'y vais soigner mon petit cœur qui s'emballe. On dit diagnostic que ce n'est pas un problème physique ou même mental, mais bel et bien sentimental. Évanoui par le surplomb de mes émotions, je finis en réanimation. Entre nous, même si on est tous bien soignés, on s'empresse tous à souhait de se tailler. Les urgences, un service qui porte vraiment mal son nom. Tant que vous êtes souffrant et encore conscient, il va falloir patienter minimum 3/4 d'heure avant de se faire soigner. Sachant que le patient est impatient de guérir, c'est vraiment mal barré. À la maison de retraite,
Quand je vois ces petits vieux qui, tant bien que mal, essayent de finir leurs jours heureux, c'est triste à voir. Mais quand je croise leurs regards, scintille une lueur d'espoir. Le service informatique, mon quartier général, ce qu'on y fait est peu banal. On y gère le parc informatique et ses applications médicales. Pour moi et mon collègue, pour être en forme, on soulève des imprimantes et des unités centrales. Ça permet d'être bien et d'être en forme dans son corps. Eh oui, il y en faut, quoi. Ouais, en forme. Ouais, il faut être en forme. Oh putain. Merde, je sais plus. Hein? Attention, oui, il y a un bug, justement. Attention, au téléphone, une utilisatrice a signalé un problème informatique critique d'un raccourci qui a été déplacé à droite de l'écran. Un détail bénin qui prend des proportions. Je lui explique le remède pour ne plus s'affoler et lui faire attention, car je suis une sorte de médecin qui ne soigne pas le genre humain. Vous l'aurez compris, je suis... Merci. Merci beaucoup, Lord Authentique. Et nous enchaînons tout de suite vos applaudissements aussi enthousiastes que spontanés. Voici venir Marie, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de mon histoire. Circuler, il n'y a plus rien à voir. De mes charmes, ne saurais rien. De mon amour, encore moins. De la ville où j'ai grandi, je ne dirai point. Caprice est fini et c'est loin. Je n'y retournerai pas, je reste là. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de moi, ni de mes amis. Faites comme s'ils étaient partis ou endormis dans leur lit. De mes parents, il n'y a plus d'espoir de les voir. Seulement celui de croire en au-delà, avant de les percevoir autrement. Les enfants sont bien chez eux. Nous savoir vivants et présents, ou t'es dansant, les rend heureux. Tant mieux. Les petits-enfants ont une grande place. Mon cœur, pour eux, est un grand palace. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de mes frères. Je les aime entre deux appels mêles semestriels et une tarte au thon, glace au citron, annuelle. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de mon histoire. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Ici et maintenant, il s'agit de le recevoir et d'être à la hauteur et aussi de lui faire honneur, comme le ferait une sœur, après son long voyage ou un séjour en cage. En fait, je ne le connais pas vraiment. Pour moi, il n'a ni métier, ni religion, ni âge, assurément. C'est un éternel sage. Sa voix est comme un sanglot slamé en douceur. Par un gladiateur vainqueur, juste après le combat et l'orage. Et je m'endors ou je pleure. Cela dépend de l'heure. Abdel, il s'appelle. Et le roi est un rebelle. Ses paroles s'écoutent à l'appel, car il sait réciter l'essentiel. Il reconnaît et respecte l'origine de son parcours. Et pour lui, il n'y a pas de vraie vie sans amour. Plutôt que de lui demander une dédicace, j'aimerais que ses monologues en rime, pareils à des pirogues glissant sur les ondes sublimes, se transforment en dialogue ultime, où je pourrais avoir ma place. Merci Marie. Et voici venir mon collègue pour la présentation et l'animation des ateliers slam que nous faisons au Nouveau Relax. Petite promo rapidement dite. Vous êtes les bienvenus, c'est tous les mardis à partir de 18h30. Et voici venir donc Nicoca, s'il vous plaît. Un peu plus fort que ça, merci. Les murs ont des oreilles. Les oreilles ont des murs. Ils nous guettent et surveillent nos moindres murmures. Ils se murent et se tairent dans un silence de pierre, écoutant passer le temps,
recouverts de lierre. Les murs ont des oreilles et ils ont l'ouïe fine, des énigmes enfouies sous des signes s'y dessinent. Le fil des mots s'immisce, se glisse et se tisse dans les interstices de chaque édifice. Les murs ont des oreilles et ils ont des yeux. Les réverbères veillent, brillent plus que les cieux. Ils nous entourent de contrôle. On est dedans tout le temps. Un vrai dialogue de sourds. Œil pour œil, banc pour banc. Les murs ont le regard cloué au macadam. Ils peuvent avoir des fenêtres, mais un mur n'a pas d'âme. Sauf repeint par des lettres, quand on lit ses ratures, on voit que derrière l'art brut se dissimule l'armure. Si les murs se fabriquent d'immenses forteresses, c'est qu'ils craignent que leurs briques, comme des corps, se blessent. Les murs ont tellement peur de se tourner vers l'arrière et d'avoir mal au cœur qu'ils construisent des barrières. Les murs ont des oreilles, les oreilles ont des murs. Ils nous guettent et surveillent nos moindres murmures. Les tympans percés par des meurtrières, ils écoutent passer le temps. Recouvert de lierre. Un mur ne suit pas de piste, il délimite, c'est tout, et il se tient debout devant des bouches d'égout, crachant de la fumée grise, triste balbutiement. Ne croyez pas ce qu'il dit, un mur aussi ment. Et le problème des murs, c'est qu'ils sont assez cons. Un conseil face au mur qui se fissure, laisse béton. Une fois au pied du mur, on se fait tous écraser. Mais si les murs nous barbent, il suffit de les raser. Les ponts de murs nous séparent. À travers le temps, car le front fier, ils font des frontières et des remparts. Tous les murs parpaings sont forcément pleins de crasse. Un monde rempli de parpaings ressemble à une impasse. Et il y a tellement de murs d'incompréhension, de pétages de câbles et de hautes tensions, de murs qui se lézardent, et de lamentation qu'on n'entend même plus le murmure du son. Mais les murs nous serviront de séparation tant que les hommes seront classés par nation. Alors parfois c'est dur, mais faut continuer à lutter, car un jour tous les murs finissent par chuter. Et on enchaîne avec tout autant d'entrain, s'il vous plaît, pour accueillir sur scène Black Mamba. Cela s'est passé le 8 novembre, une tragédie. Toujours à l'hôpital depuis ce jour. Le jour des 3 ans de ton fils. Tous les côtés gauches se touchaient et maintenant peut-être handicapé. Ton copain est déjà sorti, parti chez lui, il a de la chance, lui. Tu as des visites toute la journée. Ta famille, tes amis, tes collègues, et après toi l'éducation, de la piscine, du vélo. Du vélo? Non, pas ça. À cause de cela, tu es toujours là-bas, à l'hôpital, où tu vas de plus en plus mal, où aller te voir me fait plaisir et souffrir. Je rêve de week-end avec toi, chez toi, mais toi tu vas t'éloigner de moi. Je t'aime, papa, ne l'oublie pas et ne m'oublie pas. Les personnes que vous avez vues et que vous allez continuer de voir pour encore au moins 3-4 passages, il me semble. On arrive bientôt à la fin de cette première partie. Deux. Ont beaucoup de tracks, donc je vous propose de les applaudir pour leur mettre la conférence. Et on reste sur cette pensée pour accueillir Réjeanne, s'il vous plaît. Tu es nouveau-né. De tes parents, tu portes l'espoir. Ils vont te formater car tu es leur pouvoir. Tu vas grandir dans la cité et peut-être aller voir ce qu'il y a dans la société. Ou adopter le drapeau noir. Prends ta liberté. Ne te laisse pas aliéner. Tu es adolescent. Les copains te montrent le chemin. Tu vas connaître beaucoup de plans et te croire très malin. Tu refuseras la famille, le quartier, les voisins. Tu t'occuperas des filles et tu goûteras au vin. Prends ta liberté, ne te laisse pas aliéner. Tu as passé le cap,
tu as trouvé du travail, tu as fondé une famille, sans cesse tu te batailles, tu obéis, tu consommes, et tu oublies un détail, tu n'as plus le temps de penser, tu ressembles à un épouvantail, prends ta liberté, ne te laisse pas aliéner. Tu peux préférer te taire ou venir slammer. Tu peux finir dans un moule ou te faire démouler. Tu peux choisir ta vie ou encore mieux, la dessiner. Tu peux l'écrire seul ou l'arpéger d'amitié. Prends ta liberté, ne te laisse pas aliéner. Tu es femme. Ton destin n'est pas scellé, bien que dans toute l'humanité, tu sois souvent le jouet d'un pouvoir élimé. Ta vie est attachée aux enfants que tu peux porter. Toutes les sociétés t'utilisent et essaient de t'enchaîner. Garde ta liberté, ils veulent t'en priver. Que ta peau soit blanche ou qu'elle soit colorée, que tu saches lire ou que tu saches compter, que tu aies un dieu ou que tu sois athée, ta vie se déroule sans que tu aies le temps de te retourner. Et déjà hier est devenu demain. Et tu n'as rien vu, tu restes sur le bord du chemin. S'il te plaît, reprends ta liberté et compte sur elle pour gagner. C'est le dernier sur la liste, comme disent nos confrères anglo-saxons, last on the list. Et donc nous allons accueillir sur scène tout de suite, sous un maximum d'applaudissements s'il vous plaît, Enjoy! Dibidita bliss, dibidita bliss, we don't stop smoking, we don't stop burning. Dibidita bliss, dibidita bliss, so the politician them a go burning. Night people fighting, so let the people fighting, so the politician them a go crazy. No man them a lazy game, and you raise your time. Let me smoke my weed, forget meditation. Oh, I'm right, Babylon wicked, a pali kiki burn salvation, and you waste your time. Let me smoke my weed, forget meditation. Oh, I'm right, Babylon wicked, a pali kiki burn salvation. Yo, come on, double play explanation, a général au sujet de la weed. Eh ben nous yon j'affine, dis-nous qu'est-ce à bas, mais aucun médecin narine. A pas nous qui fait craquer, nous pas fait cocaïne. A pas nous qui fait cigarette, nous pas fait nicotine. A pas nous qui fait jazz, dans main avant dans les gorilles. Pour dire j'aime pas ça, qui j'en pouvais cocaïne. Pourtant c'est via j'aime qui gâchait avec cocaïne. Mais le pire qu'elle vient, le catagno parlait de liberté. Yo digo ça, yo peut pas laisser yo moun chouye. Mais yo ka menti parce que yo s'en foute. Gade yo la vie dans mon gade ça qui m'a logé. Est-ce que pour la vie qui ka m'offre? Tu ka vina merde, mais pas sans ka brille yo pète. Dans tout ce malhonnête, son lit pour brille ma idée. Man, you waste your time. Let me smoke my weed, my weed. Désolé, j'viens pas vous dire que ma vie est tragique, ni que je vis de trafic, ni que le rap est magique. J'viens pas me plaindre de là où j'habite, ni me plaindre sur ma vie. Je m'en bats les couilles de votre envie de savoir comment je vis, au lieu de savoir comment je vibre, de connaître ma fibre. Vous croyez lire 2-3 livres et savoir ce qui me rend ivre. Ce qui me rend ivre, c'est de ne pas être libre, d'être au cœur de cible des gens qu'on juge en un battement de cils. Et je ne serai pas docile, non, c'est pas possible. J'ai lu tous les dossiers, j'ai gardé mes racines et car on veut les scier. J'ai presque honte, j'ai sentiment de me faire maquer. Je me sens comme devant un flingue en train de me braquer. Ou un keuf et sa matraque, je pourrais presque craquer. Tous ces yeux condescendants, s'ils pouvaient tous les crever. Je me sens comme un maigre, intègre, un vrai gars intrigant. C'est juste un texte calme, sous les allures d'un flot de divan. Je suis là tranquillement, comme en haut d'un plongeoir. Dans les fanoirs, dans les mâchoires, une fleur fanée. C'est au fait une rose noire et je m'élance. Fais le saut de l'ange, mais les gens ne voient qu'un diable. Peu importe ce que je suis, et c'est insupportable. Merci beaucoup. C'était donc une sélection de différents slammeurs chaumontais qui participent aux ateliers d'écriture qui ont lieu au Nouveau Relax tous les mardis. Ça dure jusqu'à fin mai. C'est complètement gratuit. Vous pouvez venir vous essayer à la pratique du slam, à la fois l'écriture et l'oralité, la scène. Tout à fait.
Et maintenant, je vous propose bientôt d'écouter Abdel Malik, que vous pouvez commencer à applaudir en nous remerciant. Les slameurs Chemonté et nous-mêmes, on a été très contents d'être là. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Dans notre danse.